Ce que je vais vous donner simplement pour commencer, c'est des exemples de questions de biologie que moi je connais un petit peu, pour lesquelles le mouvement des cellules joue un rôle essentiel. Alors, le premier mouvement, bien sûr, c'est les cellules, qui sont des organismes unicellulaires qui cherchent leur nourriture. Non seulement elles sont motiles, elles bougent, mais en plus elles ont besoin d'être dirigées vers la nourriture. Ça, c'est le phénomène de chimiotaxie, qui est quelque chose que je discuterai aujourd'hui. Un deuxième exemple très très classique qu'on trouve dans tous les livres, c'est la guérison de blessures, le wound healing. Ça, c'est les cellules qui doivent se déplacer vers la blessure pour essayer de corriger le problème qui est à cet endroit-là. De façon plus générale, toutes les cellules, ou la plupart des cellules du système immunitaire, doivent se déplacer. Et ça me servira un peu d'exemple. Souvent, elles se déplacent dans les vaisseaux lymphatiques, et ça, c'est un exemple de motricité cellulaire dans un milieu confiné, qui est quelque chose que je discuterai assez en détail. Alors après, il y a deux exemples que moi je connais un peu plus et sur lesquels j'ai un peu travaillé, qui sont les cellules cancéreuses. Alors les cellules cancéreuses, elles ont tendance à se déplacer quand elles veulent faire des métastases. Elles se déplacent dans la matrice extracellulaire pour aller rejoindre les vaisseaux, et après elles sont transportées vers d'autres organes. Et puis il y a tous les phénomènes de biologie du développement qui impliquent aussi de la motilité. Ce que je veux faire, c'est essayer de discuter les principes généraux de la motilité, c'est un peu ça mon idée, du point de vue du physicien, et puis d'illustrer ces principes généraux par des cellules qui sont plutôt des cellules modèles. Alors je vais vous montrer les cellules modèles que j'ai un peu en tête. C'est les cellules qui ont été très très étudiées, notamment par des physiciens. Et puis pour tous les principes que j'essaierai de mettre en avant, j'illustrerai le phénomène physique associé par une de ces cellules modèles.